formater, mettre à jour son système Android. Une vidéo qui vous détaille l'intégralité de cette technique. La suite dans la vidéo. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le système de formatage. Car sur nos tablettes, ici, on a une Nexus. À côté, on a donc un Galaxy Tab. Et comme vous allez voir, la technique va être la même au niveau des paramètres pour formater, pour mettre à jour sa tablette ou son smartphone. Dans le système Android, on va retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités et le même principe. Donc ici, cette vidéo va vous permettre de reformater votre tablette ou votre smartphone si vous rencontrez de grosses difficultés avec, ou tout simplement si vous voulez le vendre, ben, vous allez devoir passer par cette étape pour donner un appareil propre et pour effacer toute trace de votre passage. Comment formater et comment réinitialiser au complet sa tablette. Du moment où vous êtes sur un système Android, la technique va être vraiment la même par rapport par exemple ici à cette tablette Galaxy et ici à cette tablette Nexus. Je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Pensez bien à vous abonner pour continuer à suivre toutes mes vidéos, tutos, démos et présentations. On a déjà un peu plus de 195 vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et en plus, ça m'encourage encore à chercher des nouvelles solutions pour pouvoir vous aider. Allez donc, c'est parti pour la vidéo. Voilà donc, comme je vous l'ai dit, mes vidéos sont accessibles à tous, pour tout le monde. Et dans beaucoup de mes vidéos, vous entendez parler, aujourd'hui vous allez entendre parler Talkback, qui est un logiciel pour les personnes malvoyantes. Donc mes vidéos sont aussi accessibles aux personnes malvoyantes. On va tout de suite rentrer dans la tablette. 10h35. Et on va la déverrouiller. Appareil déverrouillé. Écran d'accueil 1 sur 3. Alors, toutes les techniques qui sont faites là aussi, vous pouvez les faire, bien sûr, sans la synthèse vocale. On a deux façons d'aller dans Parab. Soit on y va physiquement à partir de... Application. Application. Et deux fois pour activer. Application. MX Player. Dans la grille. Et dans Application, on va se diriger sur... Paramètres. 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 Et ici, instantanément, on se retrouve dans l'écran de paramètres. Une autre façon d'aller dans les paramètres, c'est d'aller tout là-haut où il y a l'heure. On va tirer le tiroir volet de notifications. Paramètres rapides. De notifications. Et dans ce volet de notifications, on va aussi avoir, je vous le montre de très près, un bouton qui va être paramètres bouton. Appuyez deux fois pour activer. Si on valide ce bouton paramètres, instantanément, on arrive dans les paramètres. Pour formater notre tablette ou notre smartphone, on va aller tout en bas. Et on va aller sur... Sauvegarde et réinitialisation. On va donc aller dans sauvegarde et... Sauvegarde et réinitialisation. On va tout d'abord sauvegarder ses données, sa tablette ou son smartphone avant d'exécuter l'effacement total. On va valider ce bouton. Sauvegarde et réinitialisation. Et ici, sauf différents choix à nous. Sauvegarde mes données, activé dans la liste. Ici, j'avais déjà coché sauvegarder mes données. Restaurer automatiquement. Lors de la réinstallation d'une application, restaurer les paramètres et les données sauvegardées. Oui, bouton. Donc ici, j'avais coché aussi le bouton de restaurer automatiquement tout ce qu'il y avait sur cette tablette. Réinitialisation des paramètres réseau. Appuyez deux fois pour activer. Alors, comme vous l'entendez, on a plusieurs réinitialisations. Soit le réseau. Rétablir la configuration d'usine. Ou rétablir la configuration d'usine. C'est ici que ça devient très important parce que grâce à cette réinitialisation d'usine, vous allez vraiment pouvoir revendre votre tablette en toute sécurité. Ici, on va le valider. Une fois que l'on a validé ce choix, on va trouver... Cette action effacera toutes les données de la mémoire de stockage interne de votre tablette, y compris votre compte Google, les données paramètres du système et des applications, les applications téléchargées, musique, photo, autres données utilisateur, réinitialiser la tablette bouton. Cette action effacera toutes les données de la mémoire de stockage interne de votre tablette, y compris votre compte Google, les données paramètres du système et des applications, les applications téléchargées, musique, photo, autres données utilisateurs. Alors, comme vous avez entendu, réinitialiser la tablette bouton. On a un bouton réinitialiser la tablette, on va le valider. Effacer toutes vos informations personnelles et les applications téléchargées. Cette action est irréversible.
Alors, comme vous l'avez entendu, cette action est irréversible. Lorsqu'on va cliquer sur Tout effacer bouton, Tout effacer, appuyez deux fois pour activer. Votre tablette va entièrement, ou votre smartphone va entièrement s'effacer et va revenir sur l'écran d'accueil avec la langue et la configuration totale de votre tablette ou de votre smartphone. Donc, on va le valider. Rétablir la configuration visible. On a une dernière fenêtre qui s'ouvre à nous. On est parti pour la réinitialisation d'usine. On a le logo Google qui s'est mis au centre de notre tablette. Vous allez donc voir apparaître le petit robot avec une barre d'avancement. Et à ce moment-là, votre tablette est en train de s'effacer complètement. Le logo Google. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur le formatage de différents systèmes d'exploitation sur un Nokia Lumia 650, sur l'iPhone, sur Android. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne voir toutes ces vidéos. Ça me fera extrêmement plaisir et de vous abonner d'ailleurs à la chaîne. Et ça aussi, ça me fera vraiment plaisir de voir que les gens s'intéressent à mes vidéos. Je vous ferai donc des vidéos aussi sur la nouvelle, mon nouvel achat de la Galaxy Tab A6 10.1. Vraiment une très belle tablette avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de logiciels. La transformer en scanner et ainsi de suite. Donc beaucoup de vidéos en perspective dans les prochains jours. Voilà donc notre tablette a redémarré. On retombe sur l'écran d'accueil classique lorsque vous achetez votre tablette pour commencer à la paramétrer et avoir une tablette toute neuve. Par ce biais-là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez formaté, vous avez supprimé toute trace de vous sur la tablette ou sur votre smartphone. Vous pouvez la vendre sans aucune crainte. Rien n'apparaîtra sur cette tablette. Voilà donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura montré comment formater votre Android. N'hésitez surtout pas donc à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce en bas de la vidéo pour me dire si la vidéo vous a plu, à me mettre des commentaires. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à la prochaine. Salut !